Alléluia. Alléluia. Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus. Amen. Nous voulons donner. Le Saint-Esprit est présent. Donc, le Saint-Esprit est présent. Il est là au milieu de nous. Et nous voulons, avec les paroles de ce chant, nous connecter. Nous connecter. Il est présent, mais c'est à nous d'être connectés. D'être connectés pour pouvoir avoir l'information que Dieu a pour nous ce matin. Amen. Même si c'est une parole que tu sais, que tu as déjà entendue ou que tu ignores, il y a une chose certainement pour laquelle Dieu t'a conduit ici. C'est vrai pour l'adorer, pour le célébrer, mais pour te dire quelque chose. Alors, si tu n'es pas connecté à la fréquence du Saint-Esprit, tu ne pourras pas recevoir. Tu ne pourras pas recevoir. Alléluia. Alors, on va dire ces paroles. Laissez l'Esprit du Seigneur prendre le contrôle. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne, prenne le contrôle. Situation mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je veux dire Père, 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 je veux dire Père, 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 Père. Nous t'invoquons Père, nous t'invoquons Père, Père, notre Père qui est dans les cieux, toi qui sièges dans les cieux, apprends-nous à te voir au-dessus de toutes choses. Quand nous t'appelons Père, nous voulons nous connecter à toi, toi qui règnes sur toutes choses, toi qui sièges dans les cieux, je dis Père, Père, oui mon Père. Tu nous as donné Jésus afin que nous soyons sauvés, afin que nous entrons en communion avec toi, Jésus. Disons Jésus, invoquons Jésus. C'est par toi, Jésus, que nous avons accès au Père. C'est par ton sacrifice à la croix et la grâce que tu nous as faite que nous avons accès. Jésus, Jésus, je vais être conscient de ta présence. Je vais être conscient que tu es là. Jésus, Jésus. Devant toi, Jésus, je contemple ta grandeur, ta puissance, Seigneur Jésus. Je m'abandonne entre tes mains, Jésus, 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 Jésus. Toi qui as le nom au-dessus de tout nom, toi devant qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je me prosterne devant ton grand nom, devant ton puissant nom, devant ton nom merveilleux, Jésus. Que dans ton nom, par ta présence, les malades soient guéris. Que par ton nom puissant, l'aveugle voit, le sourd entend, le muet parle, le paralytique marche. Que par ta puissance qui est déployée dans ce lieu ou sur Internet, que ta grâce soit manifestée. Jésus, Jésus, j'invoque ton nom, je prie en ton nom, je parle par ton nom, je me tiens ici en ton nom, Seigneur Jésus. Donne-moi, oh Dieu, d'honorer ton nom dans tout ce que je vais dire, dans tout ce que je vais faire. Jésus, Jésus, tu m'as donné ton nom. Apprends-moi à l'honorer par ma vie, par les dires,
en toutes choses. Inspire-moi ta parole. Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus-Christ. Jésus, Jésus. Tu nous as donné l'esprit, c'est pourquoi je me dis Esprit de Dieu est Esprit. Saint-Esprit, 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 prends le contrôle. Saint-Esprit, Saint-Esprit, dirige toutes choses. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, nous voulons couler en toi, couler dans ta présence. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 oh, oh, oh. Appelons l'Esprit de tout notre cœur, soyons connectés au Saint-Esprit, Saint-Esprit. Prends le contrôle, levons nos mains vers l'Esprit du Seigneur et laissons l'Esprit du Seigneur nous remplir, prenez la main, lève la main vers l'Esprit, lève la main vers le Seigneur, lève la main, levons nos mains et contemplons la grandeur, la majesté de Dieu. Saint-Esprit, 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 je t'invoque, Saint-Esprit, Saint-Esprit, dirige ma vie, Saint-Esprit, 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 prends le contrôle. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, nous nous appartenons, nous nous abandonnons tes mains. Entraîne-nous dans ta présence. Saint-Esprit, c'est par toi que nous savons prier, c'est par toi que nous pouvons écouter, c'est par toi que nous pouvons recevoir ce qui vient de Dieu. Saint-Esprit, c'est toi qui enseignes, qui nous met les paroles dans la bouche. Saint-Esprit, c'est toi qui nous conduis dans toute la vérité. Saint-Esprit, c'est toi qui permets l'application des choses que tu as dites. Saint-Esprit, c'est par ta puissance que les malades sont guéris. Saint-Esprit, c'est toi qui as recouvert Jésus. Saint-Esprit, et peut dire l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Oint-moi, Saint-Esprit, oint-moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton revêtement. Pour parler, pour dire selon toi. Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, revêt-nous. Revêt-nous, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 revenons. Tu as dit pour annoncer, pour libérer les captifs, que les captifs soient libérés maintenant par ta puissance, Saint-Esprit. Saint-Esprit, que les captifs soient délivrés, Saint-Esprit. Que les malades soient guéris par ta parole, les cœurs soient changés. Tu dis, ma oui, pour guérir les cœurs brisés. Que les cœurs brisés soient rétablis, restaurés, guéris par ta puissance, Saint-Esprit. Brenda Brada Sheriba, Saint-Esprit. Et Denis, ta oui, pour annoncer un temps de faveur, une année de grâce, une année de faveur. Nous la déclarons dans le nom de Jésus. Je déclare de ta part, dans le nom de Jésus, un temps de grâce, un temps de faveur, davantage manifesté dans la vie de tes serviteurs, de tes servantes, ici présents et connectés au nom de Jésus. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Amen. Nous voulons acclamer ta présence, Seigneur Jésus. Nous voulons acclamer ta présence, Jésus. Nous acclamons ta présence, Jésus. Oh, alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est présent. Même si nous n'allons pas spécifiquement prier pour les malades, quel soit l'endroit où tu es, attends-toi, attends-toi, sache, sens. Que tu reçois la guérison, quel que soit ton positionnement maintenant. L'Esprit du Seigneur est présent. L'Esprit du Seigneur est présent. La parole qui vient est esprit et vie. Esprit et vie.
Esprit et vie, sois connecté afin de recevoir une direction, une directive, une réponse de la part de Dieu. L'Esprit du Seigneur est présent. L'Esprit du Seigneur est là. Déjà, je vois des guérisons. Je vois un cœur guéri. Je vois un cœur guéri. J'entends ce prénom-là, comme Michael sur ma gauche, un problème de cœur. Guéri dans le nom de Jésus. Guéri dans le nom de Jésus. J'entends le nom, le prénom Virginie. Mais je vois une guérison. Une guérison, un problème d'œil au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, restauré, guéri, transformé, délivré, restauré, guéri par sa parole. À toi la louange, la gloire, Jésus. Quelqu'un peut dire amen. 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 Amen, amen, amen. Amen à ta parole. Amen à ta présence. Amen à toutes choses. Amen à ta parole, à tout ce que tu dis. Amen, 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 amen. 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 Amen, amen. Quelqu'un donne et amen prolongé. Prolonge, prolonge. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour sa présence. Je veux dire à chacun d'entre nous ici, l'Esprit du Seigneur est particulièrement présent. Amen. Amen. Sois attentif. Que ton problème directement soit touché ou soit pas touché, la solution divine est sur le point de se manifester. Il y a une telle présence de Dieu. Pendant qu'on adorait, j'ai vu des chaînes brisées, des captifs libérés, des situations transformées. Demain et la semaine qui vient sera pour beaucoup d'entre vous une semaine de témoignages et de miracles dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas recevoir un appel, un coup de fil miraculeux cette semaine. Je déclare cela. Une situation bloquée dont tu attendais la réponse cette semaine. Je n'ai pas dit dans deux semaines. Cette semaine, ton téléphone va sonner. Avant que tu sortes de cette salle, tu vas voir comme si on t'envoyait un texto. Une situation sera particulièrement décantée dans le nom de Jésus. Il y a une présence de Dieu sous l'Esprit de Dieu. J'annonce et je déclare ces choses dans la vie, dans le nom de Jésus. Je déclare la santé, je déclare la guérison divine. Je déclare la santé, je déclare la guérison divine. Il y a une femme qui est là dans ce lieu. On lui a dit que ses trompes sont obstruées, c'est pour ça qu'elle ne peut pas avoir un enfant. Et on lui a dit qu'il faut une intervention chirurgicale, mais qui sera délicate. La parole que je reçois maintenant, c'est qu'à l'instant même où tu es connecté en ce moment, tes trompes sont débouchées dans le nom de Jésus. Tes trompes, tu n'auras pas besoin de faire cette intervention chirurgicale qui est à risque par rapport à tes trompes. Tu n'auras pas besoin car Dieu vient, le Saint-Esprit vient de te guérir et cet enfant, tu vas l'embrasser, tu tomberas enceinte le mois prochain. Tu vas prendre grossesse le mois prochain. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus, tu es guéri. Et je vois comme un esprit sur la vie de cette personne qui va essayer d'attaquer la grossesse. Mais dans le nom de Jésus, je le repousse d'esprit impur. Je chasse ce démon d'attaque. Je chasse les œuvres de la sorcellerie contre ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu est manifestée. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Regarde la main levée. L'Esprit du Seigneur est présent. De la même manière qu'il guérit cette dame, qu'il guérit cette maison, il te visite par sa puissance, par sa grâce. Le vent de l'Esprit souffle et apporte restauration, guérison, délivrance, miracle. Miracle. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne encore un bon amen. Et pendant que nous sommes en train de rendre grâce à Dieu, j'aimerais que nous puissions bénir le Seigneur pour le Père de cette maison, celui que le Seigneur a délégué sur ce champ missionnaire, l'homme de Dieu, le pasteur Yvan Castano. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il n'est pas seul. À son épouse, pasteur Modestine Castano,
C'est une bonne opportunité aussi pour nous pour acclamer le Seigneur pour tous les excellents serviteurs et servantes de Dieu dans cette maison, tous les stars. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni pour tout ce grand travail qui est fait dans la francophonie. Amen. Nous voulons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Donnez un bon amen. Amen. Donnez amen multiplié. Amen. Amen. C'est toute la multiplication, ça? L'amen multiplié, c'est tout. Donnez amen multiplié. Alléluia. Mais vraiment, en tout cas, un amen multiplié, pauvre. Il faut beaucoup multiplier. Vous savez, un jour, on a demandé à, je ne sais plus c'était quel roi là, de frapper le nombre de fois. Il a fait 3 fois. On dit, mais voilà, c'est le nombre de fois que tu auras la victoire. Il faut aller jusqu'au bout. On lui avait pas dit. Il n'avait pas reçu l'information cachée. Il dit, mais s'il savait ça, j'allais dire ça de manière infinie. Il dit, mais bon. Donc, donnez un amen multiplié. Bon, moi-même, je t'arrête maintenant. Amen. Tu as reçu. C'est bon. Soyez bénis. Je suis content d'être avec vous. Comme le pasteur Yvan l'a dit, aussi, je profitais de ma période de repos, de restauration. Voilà. Comme on l'a dit, il est excellent. Il est très bien de rester de temps en temps retiré avec ses enfants, sa famille, prendre le temps avec eux pour bâtir, parler, prier, jouer, les voir, évoluer, grandir. Et c'est dans cet environnement-là que je me trouve. Donc, ceux d'Abidjan seront surpris de me voir prêcher. Parce que tu es en repos, qu'est-ce que tu fais au micro? Bon, dans le repos de temps en temps. Donc, je suis en prédication, mais je suis en famille. C'est une causerie familiale. Amen. Donc, si vous me voyez, parce que ici c'est la famille. Amen. Amen. Alors, dans notre causerie familiale du dimanche, je vais introduire un thème. J'en parle déjà. J'en ai plusieurs fois parlé, mais par la grâce de Dieu, on aura l'occasion de l'aborder avec un séminaire. Le pasteur Yvan donnera plus de détails là-dessus. Mais l'enseignement que je partageais ici, vainque les 4 attaques majeures du malin. Vainque les 4 attaques majeures du malin. Plusieurs l'ont pris durant la conférence. J'ai dit quelques mots là-dessus durant la conférence Impact du mois de juillet. Et je reviendrai plus en détail sur ces attaques. J'ai eu l'occasion aussi de l'aborder à Bruxelles. En tout cas, une partie. C'est pas évident de finir ce genre de thème. Alors, je vous encourage à vous procurer l'ouvrage. Les premières impressions qu'on a faites durant la conférence n'étaient pas de bonne qualité. On a fait ça assez rapidement. Et je m'en étais même excusé. Voilà. Et par la grâce de Dieu, maintenant, on a fait ce qui est bien. Voilà. Donc là, c'est la bonne qualité. Vous allez voir le design. Tout a changé. Alors, ce qui va se passer, c'est que ceux qui ont pris le livre à la conférence, qui est de mauvaise qualité, parce que moi-même en le lisant, j'ai vu mes feuilles commencer à sauter. J'ai dit, je ne peux pas laisser ça dans votre main. Voilà. Quand je viendrai faire la conférence, ou bien avant, je vais amener un lot. Donc, on va faire de l'échange. Vous amenez le livre mal fait et on va vous donner un livre. Voilà. Mais on ne va pas commencer ça aujourd'hui. Alléluia. Voilà. Il ne faut pas aller à la table. Il y a des livres qui sont disponibles, mais ceux qui sont là aujourd'hui, ils sont à l'achat, c'est pas à l'échange. Voilà, faut pas venir dire j'ai mon livre à la maison, je veux faire l'échange maintenant. Non, on fera l'échange un peu plus tard, on va bien organiser, on va envoyer une quantité suffisante. Voilà, faut pas payer 2 fois pour ce qui est mal fait. Faut pas que ça reste dans votre main, ça ne glorifie pas le Seigneur. Amen. Si on sait faire ce qui est bien, il faut pas qu'on fasse ce qui n'est pas bien. Donc il y aura un grand échange pour les 2 ouvrages. Quand je reviendrai à la prochaine fois, j'aurai les 2 ouvrages. Mais aujourd'hui, ce qui est disponible, c'est « Vaincre les 4 attaques majeures du malin ». Et je veux introduire ce point. J'aurais pu l'intituler ainsi. Bon, excusez la voix. Hein? C'est l'effet du repos. La voix n'a pas travaillé. Ok. J'aurais pu dire « Vaincre les 4 attaques majeures du malin pour vivre Christ ». En fait, un peu dans la dynamique du thème de cette année, vive Christ. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un amen vitaminé. Amen. Vainque les 4 formes d'attaque majeure du malin pour vivre Christ. Et vive Christ, c'est le thème de cette année. Alors, vive Christ, c'est simple comme vous l'avez compris devant la conférence ou comme vous le comprenez, c'est vivre sur la terre comme Jésus le Christ aurait
vécu ou vivre comme il a vécu et même encore faire de plus grandes choses que Jésus a faites. C'est-à-dire, sur le plan de l'attitude, du comportement, se comporter comme Jésus, être bon comme Jésus, aimer comme Jésus, être patient comme Jésus. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde ta vie, on voit Christ en toi. Amen. L'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est l'aboutissement et c'est ce que Dieu veut que tu vives. Vivre Christ, c'est aussi, pas manifestement l'attitude, mais manifester aussi la puissance. Certaines personnes pensent que ressembler à Christ, c'est avoir simplement l'attitude. Non, il faut avoir aussi la puissance de Dieu dans le miraculeux, l'extraordinaire. La vie surnaturelle que vivait Jésus est la vie normale d'un chrétien. C'est la vie normale d'un chrétien. Le surnaturel doit faire partir de ton quotidien. Alléluia. Mais ce que je suis en train d'introduire aujourd'hui, ce dont nous allons parler, va nous montrer comment est-ce que le diable, par des semences et par la séduction qu'il fait vivre dans l'église et même dans le monde, empêche un grand nombre de croyants de vivre Christ. Alléluia. Il y a d'autres aspects tels que la maturité, comme l'avait développé par exemple le pasteur Marcelo durant la conférence, qui sont indispensables. Mais on va voir clairement dans la parole de Dieu qu'il y a des choses à arracher. Quelqu'un dit avec moi, arracher. Amen. Il y a des choses que nous devons arracher. Donc, vivre Christ, c'est manifester réellement donc, ce que Jésus-Christ était. Et je suis dans cette série-là depuis un moment au niveau d'Abidjan. Et vraiment, on voit des choses extraordinaires. Par exemple, quelqu'un, pour parler du surnaturel dans son quotidien, un frère me donnait ce témoignage. Il passait par des moments financiers difficiles. Il n'avait pas... il venait à peine d'avoir un travail. Il n'avait même pas de travail. Et il devait amener son épouse au bureau. Et il n'avait pas l'argent pour le carburant, il lui restait une petite somme. Vraiment, il s'est dit, bon, avec cette somme-là, il va mettre juste le carburant, il pourra aller la déposer et par la grâce de Dieu, peut-être aller la reprendre le soir ou l'attendre tranquillement à la maison. Et il va donc à la station d'essence, le pompiste lui met le carburant, et puis le pompiste l'appelle, il dit, monsieur, excusez-moi, mais venez voir. Le frère regarde, il dit, mais votre réservoir est plein, je ne peux plus continuer. Or, le montant qu'il avait donné devait lui permettre, en fait, d'aller garder même la jauge juste au-dessus du rouge. Et le carburant s'est rempli, le réservoir s'est rempli de manière miraculeuse. Amen. Les miracles de multiplication continuent. Alléluia. Le surnaturel doit être dans votre quotidien. Le surnaturel doit être dans votre quotidien. Ce même frère en donnait ce témoignage dans la même période de ce qu'il n'avait pas les moyens donc de payer le gaz. Et donc la cuisine commençait à être en danger. Et ils sont arrivés, vous savez, ils ont des gens de bouteilles de gaz. Où on voit la jauge, on voit ce qu'il dit, c'est obligé de pencher la bouteille pour pouvoir encore avoir des flammes et faire la cuisine. Et à un moment donné, ça ne passait plus du tout. Ils ont rendu grâce à Dieu. Le soir, ils viennent, son épouse par la foi, elle remet quelque chose à manger, la flamme s'allume et la flamme va rester comme ça pendant près de 3 mois jusqu'à ce qu'il ait de quoi. Donc, ils éteignent, ils rallument la bouteille, on voit qu'il n'y a plus rien, mais il y a le feu qui vient permettre de faire la cuisine à la maison. Amen. Alléluia. Le surnaturel est un naturel pour les enfants de Dieu. Vivre Christ, c'est vivre comme ça. C'est-à-dire, tu es dans la puissance, tu es dans le surnaturel. Ton attitude, ton caractère, ta douceur, ton amour en puissance, tout est manifesté dans ta vie. Et je veux te dire que ça, c'est ta vie normale. C'est ce qui est prévu normalement si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur en toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus, qu'on reçoit, et pour comprendre les 4 formes d'attaque majeure du diable, il faut comprendre ce dont je suis en train de parler. Amen. Avant de revenir sur ce point de la vie normale, lisons Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 7. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Il est dit, on peut le lire ensemble. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Lisez bien avec moi. Il fut précipité. Qui a été précipité? Le grand dragon. Dis avec moi, le grand dragon. Qui a été précipité encore? Le serpent ancien. Appelé comment? Et par la suite, il a dit, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. On voit ici que Satan ou le malin ou le diable, peu importe le nom que vous lui donnez, on voit ici que Dieu, pour raconter un même fait, cite 4 noms distincts de la même personne. On a envie de dire, ce n'est pas utile. Et il est fait mention après, celui qui séduit toute
toute la terre. Et vous allez voir la chose répétée en Apocalypse chapitre 20, verset 2. Pourquoi Dieu, dans ce texte, nous donne quatre noms du même personnage? Pourquoi signifier qu'il est le dragon? Pourquoi signifier qu'il est le serpent? Pourquoi signifier qu'il est le diable? Et signifier qu'il est Satan? Ça, c'est à dessein. Il s'agit du même personnage, mais cela traduit quatre façons d'agir de cet ennemi. Satan agit dans la vie des gens en tant qu'un dragon, en tant qu'un serpent, en tant que diable, en tant que Satan. Amen. Voilà. Le nom le plus utilisé, les deux noms les plus souvent utilisés, c'est le diable et Satan. Et c'est à dessein. Dans la partie plus longue, dans le séminaire, j'aurai l'occasion peut-être je dirai un mot là-dessus rapidement. Pourquoi ces deux éléments? Et vous allez voir même pourquoi il s'agit de Satan. Ça, je pourrais le dire par la grâce de Dieu un peu aujourd'hui. Vous voyez la même chose donc répétée en Apocalypse chapitre 20. Verset 2, c'est quatre noms. Et la Bible dit, il séduit toute la terre. Il séduit toute la terre. Que dans le nom puissant de Jésus, tu sois équipé pour triompher de toutes ces formes de séduction dans le nom de Jésus. Donc, les quatre noms traduisent quatre pièges, quatre manières de séduire, quatre formes d'attaque de notre ennemi. Et le sens se trouve, le sens de chacun de ces noms, la mission de chacune de ces faces du malin, se trouve dans la parole de Dieu ou dans le sens même que cela signifie. Satan signifie adversaire, opposant. Donc quand il t'attaque en tant que Satan, il y a une opposition à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit. Le diable signifie calomniateur, accusateur. Le mot diable, ça vient de diable, lorsqu'il signifie calomniateur, accusateur, pour dire que lorsque l'ennemi t'attaque sous la forme du diable, il va calomnier. Calomnier, c'est-à-dire quoi? Il va te donner une information, avérée ou pas, sur quelqu'un, mais dans le but de mépriser la personne ou de mépriser la chose. C'est ce qu'on appelle la calomnie, c'est pas ça? Donc, Satan séduit des gens en calomniant. En calomniant. Et vous allez voir, c'est une attaque très sournoise qui détourne beaucoup de gens du plan de Dieu. Il peut attaquer aussi sous la forme de serpent. On voit la forme du serpent, c'est la première attaque que les humains ont reçue. Satan attaqua Adam et Ève sous la forme d'un serpent dans le jardin d'Éden. On l'appelle le serpent ancien. Et tellement il est rusé qu'on appelle que c'est noté de l'ancien. Dis avec moi, serpent ancien. C'est pas un serpent nouveau. Fais attention. Amen. Donc vous avez la forme du serpent ancien dont l'âme principale c'est la ruse et on le voit dans la parole de Dieu. Sous cette forme-là, on verra il y a deux types d'attaques qu'il utilise particulièrement, ce qu'on appelle vipère et l'autre qu'il appelle python. Python, vous voyez manifesté en Actes chapitre 16, verset 16. Mais vous savez souvent quand on cite, non, je regarde les visages, j'ai l'impression que les gens ont un peu peur. S'il vous plaît. La peur même est une arme de Satan. Ok? Donc si vous, la Bible dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Donc si en écoutant vos messages, vous vous auto-effrayez, vous n'êtes plus en train d'écouter la parole de Dieu. Vous êtes en train d'écouter une parole de la dernière attaque ou bien la première qu'on appelle celle du dragon. Donc toute prédication qui vise à effrayer les gens contre les sorciers, faites attention, c'est une arme du dragon. Dieu ne fait pas peur. Dieu ne vous motive pas par la peur. Dieu vous motive par l'amour. Alléluia. Amen. Quelqu'un est-il avec moi? Donc dis à un voisin, ça ne vient pas pour t'effrayer. Voilà. Parce que je vois des gens, ils voient déjà. Et quelle attaque encore sur ma vie. Aïe, 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 aïe. Je suis en danger. Ok. Chacune des attaques va faire ce qu'on appelle une semence. Et je reviens donc à ce dont j'étais en train de parler tout à l'heure, en ce qui concerne vivre Christ. Pour vivre Christ, selon Galates chapitre 4, verset 9, l'apôtre Paul, Galates 4, 19, pardon, l'apôtre Paul dit, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement, de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Amen. Le mot « formé » parle de Christ qui va mûrir en toi. Le thème de cette année, c'est « Vive Christ ». Donc, le Seigneur présente ici Christ comme étant un élément qui entre dans notre vie et qui évolue dans un process de formation. Est-ce que vous suivez? Amen. Jusqu'à donner un fruit. La vie de Christ, je vais en arriver là, est un fruit. C'est-à-dire, c'est la résultante d'une semence. Alléluia. Pour me comporter comme Christ, je n'ai pas, il y a des efforts à fournir, mais ce n'est pas... je ne dois pas me battre particulièrement. Je dois simplement veiller à ce que la semence que j'ai reçue en acceptant Jésus puisse croître et donner son fruit. Je vais être comme ça. Amen. Alléluia. Parlant de l'attitude, par exemple,
La Bible parle du fruit de l'esprit. C'est la patience, la douceur, la bonté, etc. Ça veut dire quoi? Que être patient, c'est un fruit. Je n'ai même pas à me concentrer pour être patient. La patience est déjà en moi. Elle a été semée le jour où j'ai reçu Christ dans ma vie. Amen. Maintenant, si la plante pousse autant de ce que la Bible appelle la moisson, je vais me rendre compte que je suis patient. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Parce que ce que Jésus, ce que Dieu a semé en moi, le jour où j'ai accepté Jésus, ce qu'il a mis en moi, ça s'appelle une semence. Dieu sème. Et si la patience, l'amour, la bonté est appelée fruit, ça veut dire que ce sont des éléments qui naissent d'une semence. On ne peut pas parler de fruit s'il n'y a pas semence. Quelqu'un est-il avec moi? Pour qu'il y ait une mangue, il faut qu'il y ait une semence de la semence de la mangue, pour qu'il y ait un raisin, etc. Donc, il y a toujours une semence qui donne un fruit. Amen. Le chrétien, quand il cherche l'amour, il ne cherche pas l'amour à l'extérieur. C'est une mauvaise prière de dire, Seigneur, donne-moi l'amour. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu t'as déjà donné l'amour. C'est une prière des païens. Les païens peuvent dire, donne-moi l'amour parce qu'ils ne l'ont pas. Mais tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur, la Bible dit, Romains 5, 5, car l'amour a été répandu dans nos cœurs. Donc, il ne faut pas aller chercher l'amour à l'extérieur. L'amour a déjà été semé. Quand la Bible dit, à cause de cela, la Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, nous a donné tout. Et puis, il dit, c'est pourquoi faites vos efforts. Donc, l'effort à fournir, ce n'est pas l'effort pour avoir, parce qu'on a déjà reçu. Amen. C'est l'effort d'entretien de la semence. Quelqu'un est-il avec moi? C'est l'effort d'entretien de la semence. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, arroser, l'entretenir, sinon la semence meurt. Si je n'entretiens pas ma vie par la parole, dans la prière, dans l'adoration, je n'entretiens pas ma communion avec le Seigneur, le grain de l'amour, de la patience, de la bonté, le miraculeux, la vie surnaturelle ne peut pas se déployer parce qu'elle n'a pas pu mûrir en moi. Que la vie divine en toi mûrisse dans le nom de Jésus. Alors bien sûr, si quelqu'un n'a pas accepté Jésus, qu'il profite de cette occasion pour dire « Christ, entre dans ma vie », c'est le début de l'histoire. Tout commence par là. En dehors de cela, tu dois prier pour que Dieu te donne. Mais quand tu es né de nouveau, tu dois prier pour dire « Seigneur, manifeste le fruit. Manifeste le fruit. Manifeste le fruit. » Quelqu'un est-il avec moi? Même ton destin, ce que tu dois devenir, ce que tu dois devenir est déjà écrit en toi. Tu n'as même pas à te forger pour dire « Seigneur, est-ce que dans la vie tu veux que je fasse la politique ou est-ce que tu veux que je sois pasteur ?» Je t'assure que la vie dessine seule ce que Dieu a déjà prévu. Jérémie 1, 5 dit, alléluia, il dit « Avant que tu ne naisses, je t'avais établi, je t'avais choisi, je t'avais établi prophète. » Donc avant que tu ne naisses, Dieu a déjà semé, il a déjà dit qui tu es. Joseph n'a pas eu à faire une concentration particulière pour devenir premier ministre d'Égypte. C'était déjà dit. Il a juste gardé sa communion avec Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Vous n'avez jamais vu Joseph quelque part parce qu'il a eu le songe. Je vais prier pour devenir premier ministre. En fait, il ne savait même pas ce qu'il allait devenir exactement. Le plus souvent, la semence est très floue dans notre esprit. Personne n'arrive. C'est très difficile de savoir exactement la forme de ce que Dieu va vous donner après. Vous avez une vision qui peut être très floue. C'est le début de la, c'est la semence. Quelqu'un est-il avec moi? Et la vie, la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Les circonstances vont vous amener directement vers ce vers quoi Dieu vous a destiné. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu es en train de demander, mais Seigneur, qu'attends-tu de moi dans la vie? Depuis là, je suis en mode stationnaire, attendant. Je dois faire la médecine ou je dois faire ceci. C'est quoi mes œuvres de destinée? Amen. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas faire ce genre de prière, mais il faut savoir que tout est déjà inscrit en toi par une semence et ça va apparaître. Le manguier, avant de donner ses mangues, il ne prie pas pour savoir Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je produis des mangues ou des oranges? Ou je produis, oh Père, je t'en supplie, quel est mon destin? À quoi m'as-tu destiné? À faire des mangues ou à faire des oranges? Non, c'est déjà semé. Si on a semé orange, tu ne peux pas donner de mangue. Tu vas donner une orange, tu vas donner des oranges, etc. Quelqu'un est-il avec moi? Si on t'a semé prophète, tu vas finir prophète. On t'a semé pour être un chef d'État, pour diriger. Le fruit, dans sa maturité, dans son accomplissement, va donner ce qu'il doit donner. Quelqu'un est-il avec moi? Par contre, tu peux agir pour qu'il y ait un plus, pour que ce soit multiplié. La surabondance va dépendre de toi, de la manière dont tu sais enlever, arracher, comment on appelle ça, les mauvaises plantes, les mauvaises branches, voilà, élaguer la plante, c'est ce qu'on appelle la mort, amen, pour permettre au fruit, pour ne pas avoir deux mangues, voilà, mais sinon tu ne peux pas donner une orange.
Mais si tu donnes deux mangues, frère, j'avais dit Jésus est venu pour qu'on les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et l'abondance est multipliée par la mort. Quelqu'un dit avec moi? Alléluia. Le grain qui tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup plus de fruits. Donc la mort ne nous révèle pas le fruit. La mort multiplie le fruit de ce que Dieu a semé. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Donc Dieu sème. Dis avec moi la semence. Maintenant la Bible dit ceci. En 1 Pierre chapitre 1 verset 23. 1 Pierre 1 23. La Bible dit. Bon, d'abord j'ai parlé de la semence. Mais la Bible dit en 1 Pierre 1 23. Que la semence de Christ. La semence de qui tu seras. Est une parole. La semence de Dieu est une parole. Amen. Est une parole. Ce n'est pas un grain de maïs, c'est une parole. 1 Pierre 1:23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. On peut le lire ensemble une fois de plus. Puisque non par une semence, mais par une semence, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ok? Le Seigneur dit, puisque vous êtes nés de nouveau, régénérés, transformés, par une semence. C'est quoi la semence? La parole de Dieu. Alléluia. Mais ici, il nous présente deux catégories de semences. Une semence qu'il appelle la semence incorruptible et une autre qu'il présente comme étant la semence corruptible. Écoutez, tous les problèmes viennent de la semence corruptible. La semence corruptible, corruptible parce que ça corrompt les choses, parce que ça attaque, parce que ça désaltère, parce que ça peut affecter les choses que Dieu t'a données. Dieu crée toutes choses par sa parole. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu crée, écoute, tout ce qui existe. Tout vient de la parole, y compris les attitudes. Si quelqu'un est patient, si tu vois une personne patiente, la patience est un élément du fruit de l'esprit. Ça veut dire qu'on lui a donné une information à un moment donné qui, dans sa phase de production, a produit la patience. L'homme est un peu comme une page vierge. Il y a des infos. Donc, la semence est une parole. Quelqu'un qui est coléreux, la colère, si la douceur est un fruit, c'est que la colère aussi est un fruit. Mais un fruit d'une autre semence. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais ce qu'on appelle les semences corruptibles. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait par sa parole. Et la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Alors, Matthieu chapitre 13. Est-ce qu'on est ensemble? À partir du verset 24, je lis la première partie de la parabole et je vais expliquer l'interprétation que Jésus en fait, mais nous pouvons nous-mêmes la lire dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Donc, on est toujours sur la notion de semence. Et la semence, qu'est-ce que c'est? C'est une parole, ok? Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Ok, donc jusqu'à ce qu'on atteigne la période du fruit, les serviteurs ne savaient pas qu'il y avait de l'ivraie. Amen. Il est dit, l'ennemi a semé, personne n'en était conscient. Et puis, mais pendant que les gens dormaient, bon, son ennemi vient semer. Verset 26, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Donc on a vu qu'il y avait du blé, mais on a vu aussi qu'il y avait une plante étrangère, l'ivraie. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Ça veut dire, on est en train de dire, parce que la Bible nous dit que le semeur, c'est Dieu. On est en train de dire à Dieu, mais tu as fait de bonnes choses sur la terre. D'où vient qu'il y ait des choses qui soient mauvaises?
Tu as semé des gens bons. D'où vient la méchanceté? Si la bonté est un fruit, comment ça se fait qu'il y a des gens méchants? Il dit, donc n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Amen. Ça veut dire qu'il y a le moment où on voit le fruit et il y a le temps de la moisson. Ça, on le comprend, n'est-ce pas? Le moment où la mangue apparaît et le moment où elle est prête à être mangée, c'est pas pareil. Donc la plante apparaît. Donc à un moment donné, les fruits ont apparu, mais ils n'étaient pas encore mûrs. Et il a dit, attendez la moisson. Et à la période de la moisson, faites ceci. Arrachez d'abord l'ivraie. Dis avec moi, j'arrache l'ivraie. Il dit, liez-la. Dit, je lis l'ivraie. Il dit, liez l'engin pour la brûler. Dit avec moi, je brûle l'ivraie. Et Virgile dit, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Alléluia. Acclame la parole du Seigneur. Amen. Amen. Donc, je sème. Dieu a semé la bonne semence. L'ennemi a semé les mauvaises semences. Et quand le Seigneur l'explique plus tard, il dit ceci, que l'ennemi, c'est le diable, c'est Satan. Il a semé. Tout ce que Dieu a créé est bon. Mais il existe sur la terre des choses qui ont été semées par l'ennemi. Et là, Jésus a dit, il dit dans ce passage, pour pouvoir jouir des fruits, des semences de Dieu, vous devez au préalable, il dit arracher d'abord, vous devez arracher d'abord l'ivraie. Pour que vous puissiez vous nourrir de la semence et du fruit de ce que Dieu a dit. Tout ce que Dieu fait, la paix dans ton foyer, c'est une semence que Dieu donne. Le mariage, c'est le fruit d'une semence. La destinée, tout est créé par la parole. La Bible dit, rien de ce qui existe n'a été créé sans parole. Le bonheur, c'est le fruit d'une semence. La réussite, que ce livre de la loi ne sonne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. La réussite, c'est quoi? C'est un fruit. C'est le fruit de quoi? De ce que quelqu'un s'est ensemencé, de ce que Dieu dit. C'est tout. L'échec, c'est aussi un fruit. Mais le fruit du quoi? De la semence corruptible, de la semence qui vient du malin. C'est une information. C'est quoi la parole? C'est une information. Pas forcément qui vient des lèvres, mais c'est une information. Il y a deux catégories de semences, comme je l'ai dit. Celle qui vient de Dieu, qui vient de Jésus, est appelée la parole. Au commencement était la parole est avec Dieu. Tout ce qui était fait par elle. Amen. Et la semence corruptible, celle qui vient du malin, est appelée le mensonge. Elle aussi, elle ne crée pas, mais en fait, elle corrompt ce que Dieu a créé. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais tout ce que le mensonge a créé n'est pas vrai. C'est un mensonge. Le sida, est-ce qu'il existe? Répondez, est-ce que le sida existe? Est-ce que le cancer existe? Non, il existe. Il est réel. Mais le cancer est un mensonge. Le cancer n'est pas vrai. En fait, si vous voulez avoir la victoire dans la vie, acceptez et comprenez que tout ce que vous touchez, tout ce qui est palpable, ne vient pas de la vérité. Ce que tu vois peut être faux. Quelqu'un est-il avec moi? Tu peux voir que ton compte est vide, qu'il n'y a pas d'argent. Ça a envie de te dire que tu es pauvre, mais tu n'es pas pauvre. C'est un mensonge. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'argent dans ton compte. La vérité, c'est que tu es riche. Si vous voulez vivre la vie de Dieu, il faut que vous compreniez que le monde physique résulte de deux catégories de semences, l'incorruptible et la corruptibilité. Mais les deux choses finissent par donner des choses réelles. C'est quoi la vérité? La vérité, ce n'est pas ce que Jésus dit, c'est ce que Jésus est. Jésus ne dit pas la vérité seulement, Jésus est la vérité.
Tu comprends? Jésus est la vérité. Jésus n'a pas dit je dis la vérité et la vie. Il dit je suis le chemin, je suis la vérité. Ça signifie quoi clairement? Que si tu vois qu'une robe est rouge et que Jésus te dit que c'est bleu, c'est que le rouge était mensonge. Ce que tu as vu n'est pas vrai. Comme c'est Jésus qui est la vérité, est-ce que tu comprends? Ça veut dire que Jésus est la norme. C'est à partir de Jésus qu'on donne la définition du mensonge et du vrai. La Bible dit, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Quand je vais l'aborder enfant, là, non, je n'ai pas dit ça, ça va vous troubler. J'allais t'expliquer que la vérité n'a pas commencé même avec Moïse. Tout ce que Moïse a dit, ce n'était pas un mensonge, c'était la parole de Dieu, mais ce n'était pas encore la vérité. La vérité, c'est Jésus. Elle a commencé, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ça veut dire quoi? Que du temps de Moïse, la vérité n'était pas encore là. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est pourquoi fais beaucoup attention à l'Ancien Testament quand tu le lis. Il faut l'interpréter en fonction de la vérité. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Ok, Jésus te regarde et dit, la Bible dit ceci. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Jésus dit ça. Par ces meurtrissures, tu seras guéri. Tu as été guéri. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que tu crois? Donc, si par ces meurtrissures, tu étais guéri, ça veut dire que tu es en bonne santé. Donc, si tu trouves la maladie, elle est vraie ou elle est un mensonge? C'est un mensonge. Mais pourtant, tu es malade. Ok? Mais c'est faux. Tu n'es pas malade. Mais tu dis, pasteur, je comprends ce que tu as dit. Mais moi, j'ai sérieusement... On a détecté l'hypertension. Oui, l'hypertension est réelle. Le diabète est réel. Mais il n'est pas vrai. Le cancer... C'est une tumeur visible. Mais ce qui est visible peut émaner d'un mensonge. C'est pourquoi il dit ceci. Quand tu veux changer les gènes, quand tu veux corriger un mensonge qui est devenu réel, quand ce n'est plus une idée, le mensonge n'est pas seulement une idée, le mensonge engendre une réalité. Tu vis la pauvreté. Tu vis la galère, tu vis les blocages. Ça, c'est réel. Mais ça vient en contradiction avec ce que Jésus dit. Parce que Jésus dit qu'il s'est fait pauvre pour que toi, tu sois riche. Ça, c'est ce qu'il a dit. Mais ce que tu vis n'est pas conforme à ce qu'il a dit. Alors, la question à te poser, est-ce que ce que tu vis est vrai ou c'est ce qu'il dit qui est vrai? Comme c'est lui la vérité, ça veut dire que ce que tu vis est faux. Amen. Un médecin a reçu un patient et il a vu que le patient allait mourir d'un cancer, je crois, je ne sais plus, en tout cas un truc dans le ventre, il allait mourir dans quelques temps. Il a recousu le monsieur et lui a dit, de toute façon il va mourir dans 2 ou 3 jours, ce n'est pas la peine de l'angoisser davantage, je vais lui dire que tout va bien. Quand le monsieur se relève de son sommeil, il dit, monsieur, il dit, comment je vais docteur? Il dit, vous allez bien. Le patient va partir sous cette parole et il va commencer à dire, je vais bien. On lui demande comment tu vas. Il dit, je vais bien. Mon docteur dit, je vais bien. Je suis en convalescence, je suis en rémission, je vais bien. Un an plus tard, il envoie un courrier pour dire merci au docteur. Le docteur regarde, il est surpris. Il dit, mais ce gars vit encore. Il dit, faites-le venir. Il fait venir, on l'ausculte à nouveau. Le monsieur, toute la tumeur, tout avait disparu. Pourquoi? Amen. Je l'expliquerai dans le livre, je l'explique. Pourquoi? Parce qu'il a matraqué. La Bible dit, à quel moment, quand vous constatez un mensonge qui est devenu réel, comment vous le détruisez? Parce que là, il a pris une forme matière. Il a pris une forme concrète. Il dit ceci, puisque vous avez été régénéré, non par une semence corruptible, mais par la parole vivante et permanente, c'est-à-dire la vérité doit être matraquée de manière permanente pour venir terrasser la réalité mensongère et imposer le dire de Dieu. Donc si dans ma vie je constate la pauvreté en opposition avec ce que Jésus a dit, j'accepte la vérité, je reconnais que ce que je vis est le fruit d'un mensonge et je me définis comme étant ce que Jésus-Christ dit et je dois le faire de manière permanente pour que
la vérité enlève les conséquences du mensonge et s'impose. C'est comme ça qu'on arrache l'ivraie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, il y a beaucoup de choses que tu vis qui ne sont pas vraies. Mais fais la différence maintenant entre la vérité et la réalité. Alléluia. La vérité et la réalité ne sont pas égales. Amen. Il y a des choses donc. Et tout ce qui existe est le fruit d'une semence. Soit c'est Dieu qui a parlé et ça donne ce qui est positif. Mais si c'est quelque chose de négatif, ça veut dire que c'est une information mensongère que j'ai reçue qui a produit un tel résultat. Si je suis né de nouveau, je ne peux pas me dire coléreux parce que le fruit de l'esprit, c'est la douceur. La colère ne peut pas venir de Dieu. Donc je ne suis pas coléreux, je suis doux. Mais la colère est le fruit d'un mensonge. Et je dois arracher la colère pour que la douceur puisse être manifestée pleinement. Alléluia. L'enjeu de la vie chrétienne, la bataille dans la vie chrétienne se trouve à ce niveau. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu a semé, l'ennemi a semé. Et au moment de la moisson, c'est quoi l'ivraie? L'ivraie, c'est une plante nuisible. C'est une plante d'abord très similaire au blé, mais elle est nuisible au blé. Elle détruit le blé. Qu'est-ce qui se passait? La moisson, telle que Jésus l'explique ici, c'est la fin du monde. Ok? Mais la Bible nous parle de plusieurs moissons. La Bible dit, celui qui sème peu moissonne peu, celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Il ne parle même pas du ciel. Donc on peut utiliser l'expression de moisson dans beaucoup de situations. Amen. C'est le moment où, quand j'ai mon bac, c'est parce que j'ai semé le travail qui m'a donné la moisson. Donc la moisson, c'est tout résultat d'un acte qui a été posé à un moment donné. Et la Bible dit que c'est au temps de la moisson qu'il faut traiter avec les ivraies. Quelqu'un est avec moi? Lorsque je commence à sentir, et il faut faire très attention, pourquoi Jésus a demandé que l'ivraie soit ôtée? Pour ne pas qu'on consomme et qu'on mélange le blé avec l'ivraie. Si vous ne séparez pas l'ivraie, malgré ce que Dieu vous a promis, vous allez vivre le fruit de la promesse combiné avec des semences du diable. Par exemple, le mariage. Jésus a semé la paix. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. Mais combien de foyers chrétiens sont troublés? D'où vient la guerre au milieu d'eux? Ça ne peut pas venir de Dieu. Parce que tout ce que Dieu a semé, c'est bon. D'où ça vient? Ça vient d'une autre semence. Ça, le couple est rentré dans le mariage et a commencé à vivre son mariage sans prendre le temps d'enlever l'ivraie. Ça peut être quel ivraie? Par exemple, Dieu sème le mariage avec la paix. Satan, bien longtemps avant, il a semé dans ton cœur l'irritabilité, la colère et l'impatience. Et tu arrives dans ton foyer, tu moissonnes un couple venu de Dieu, donc le blé est là, mais à côté il y a l'ivraie et tu manges les deux à la fois. Alors c'est quoi? C'est un foyer où on se bat tout le temps, où il y a de la colère. Et la Bible dit, si tu veux jouir du blé, arrache d'abord l'ivraie. Il y a maintenant, donc arrache d'abord l'ivraie. Dis avec moi, ivraie, tu quittes ma vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais pour enlever l'ivraie, il faut la reconnaître. Il faut pouvoir discerner parce que les deux sont ressemblants. Ça, c'est de l'ivraie. C'est pourquoi la Bible parle de la séduction. De la séduction. Le texte des quatre attaques du diable, dragon, serpent, diable et Satan, explique et présente quatre formes de semences du malin. Quatre formes de semences du malin, semences qu'il faut arracher, semences qu'il faut... Lorsque vous allez commencer à sentir les fruits, que Dieu te délivre de toutes les semences dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors visitons comme ça quelques semences. Comme je dis, on aura l'occasion d'entrer plus en détail dans ce message. Visitons comme ça quelques semences. Et voyons un peu les effets. Là, j'ai donné un exemple tout à l'heure. Il dit, Jésus dit, le premier être qu'il présente, le dragon. Le grand dragon. Dis avec moi, dragon, tu es vaincu. Ta semence est vaincue. Toute
toutes les semences sont sournoises. La semence ou l'attaque du dragon consiste à voler tout ce que Dieu t'a donné. La semence ou l'attaque du dragon consiste à voler, à engloutir les dons que Dieu t'a donnés. La semence du serpent consiste à te détourner des voies que Dieu a tracées pour toi. La semence du diable consiste à calomnier tout ce que Dieu amène dans ta vie pour te produire, pour te propulser vers ton destin. Il donne une information. La Bible dit que pendant que Jésus était à table, Jean chapitre 13, à partir du verset 1, il est dit, le mot qui est utilisé, c'est le diable. Le diable avait déjà mis au cœur de Judas le dessein de le livrer. Donc, le diable, c'est-à-dire le calomniateur, a calomnié Jésus. Il y a des gens, des choses que Dieu envoie dans ta vie. Tu peux même, par exemple, au moment où tu dois moissonner, j'aime les mariages, tu dois moissonner le mariage. Où tu arrives à l'église, tu dois rencontrer la bonne personne. Le diable peut venir semer et mentir contre la personne. Qui calomnie ta femme, calomnie ton mari. Il y a des problèmes dans les couples parce que le diable calomnie. Tu es couché dans ton lit. Et puis tu dis, mais ta femme m'aimait, se prend pourquoi? Il faut que tu lui dises deux mots. Et il te parle. Et tu entends et ton cœur commence à monter. Ou bien, une petite information, rien de grave n'est arrivé. Il va te dire, tu sais pourquoi elle tarde à rentrer à la maison? Parce que. Et ce m'a dit du mal. Et la personne n'est même pas rentrée qui était déjà en colère. On a calomnié. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? La calomnie. Les parents de Jésus, la Bible dit, Jésus est arrivé. Il n'a pas pu faire un miracle dans son propre village. Pourquoi? Ça, le diable était passé par là. Quand il est arrivé, ils l'ont méprisé. La calomnie fait quoi? La calomnie sert à faire mépriser quelqu'un. La Bible dit, ils ont méprisé. Qui est ce monsieur? Qui est-il? Or, ils transportaient leur guérison. Ils transportaient leur délivrance. Mais on le connaît. On l'a vu grandir. Satan, le diable, là c'est le diable, il a pris les informations qu'ils avaient de Jésus enfant. Il leur a raconté une histoire. Et comme ça, là-bas les gens sont morts avant le temps. Les malades sont restés malades. Les problèmes ont demeuré, pas parce que Dieu ne voulait pas les résoudre, mais parce que le porteur de la guérison a été méprisé. Et je vais vous dire ceci, parlant de la calomnie du diable, elle est dangereuse. Combien de fois elle a fait perdre des gens beaucoup de choses de Dieu? Ésaïe chapitre 53 verset 1, on peut afficher Ésaïe chapitre 53. La Bible dit, Ésaïe 53, 1. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de... Amen. On continue. Il s'est élevé devant lui comme une faible, comme un rejeton qui sort d'une terre. Il n'avait ni éclat pour attirer nos... Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. On continue. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on dénoue le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Et on continue. Cependant, dis avec moi, dis, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Tout le monde sait que ce passage parle de Jésus, n'est-ce pas? Mais regardez comment Jésus est présenté ici comme étant le bras de Dieu. Qui a compris ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Or, le bras de l'Éternel parle de l'intervention de Dieu. Ça veut dire, quand Dieu intervient, la Bible dit, c'est difficilement reconnaissable. Qui a reconnu le bras de Dieu? Tu as prié, Seigneur, guéris-moi. Dieu envoie sa main pour te guérir. Mais lorsqu'il agit, il dit, le bras de l'Éternel est faible. Il semble faible. Il n'a rien pour te plaire. Il n'a rien pour attirer tes regards. Pourtant, il porte tes problèmes. Il résout. Et c'est parce que justement il a cette forme de faiblesse que le diable arrive à calomnier le futur miracle de Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Oui. Quelqu'un est-il avec moi? Oui. Dieu, il prophétise dans ta vie, il sème. Tu seras chef d'état. Satan vient semer, le diable passe, il sème. Or, pour arriver au chef d'état comme Joseph,
Il fallait passer dans la maison de Potiphar, être esclave. Et le diable arrive, il calomnie. Toi, fils de Jacob, comment tu peux te trouver dans un tel environnement? Et il aurait amené Joseph à mépriser le chemin que, arrivé chez Potiphar, c'était le bras de Dieu qui venait le conduire au sommet. Vous me suivez? Il y a des fois, tu demandes à Dieu 1 million d'euros. Qui a demandé ça à Dieu? Mais le bras de Dieu va venir. Mais tu sais, quand il arrive, il ne ressemble pas à 1 million. On dit qu'il n'avait rien pour nous plaire. Nous l'avons, il n'avait rien pour attirer nos regards. Donc peut-être Dieu va faire que quelqu'un va venir, ce soit juste à côté de toi. Il ne ressemble pas à 1 million d'euros. Il ressemble à quelqu'un qui se cherche. Cependant, c'est lui qui allait te donner la connexion, qui allait te donner les 1 million. Mais quand tu t'es assis au culte, quand tu t'es assis au culte, tu ne l'as pas salué. Tu l'as méprisé. En fait, tu ne te rends même pas compte tellement. Le diable nous dit, on ne salue que ceux qu'on connaît, on ne rit qu'avec les gens qu'on connaît. Il a calomnié, il nous calomnie les uns envers les autres. Parce que le miracle de ta vie vient toujours avec ton prochain. Toujours avec ton prochain. C'est toujours quelqu'un qui est à proximité de toi. La Bible dit ceci. Amen. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. De quel commandement? Aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Ça signifie quoi? Il dit toutes les prophéties dépendent de la manière dont tu aimes ton prochain. C'est qui ton prochain? C'est ton voisin. Il y a toujours quelqu'un que Dieu emmène dans ton voisinage qui transporte la prophétie. Il dit de ces deux commandements, aimer Dieu, aimer son prochain, dépend la prophétie. Donc il y a des prophéties qui ne s'accomplissent pas dans ta vie dépendamment de la manière dont tu traites ton prochain. Maintenant, le prochain qui transporte ta prophétie, il n'a rien pour te plaire. Il ne ressemble pas. Alléluia. Alors, quand vous suivez l'église, vous subissez, vous entendez des voix qui disent, fais attention à telle soeur, fais attention à tel frère, méfie-toi d'un tel. Et que ça crée une forme de rejet vis-à-vis des gens. Ça vous fait classer les gens dans l'église. Ça vous fait éviter des personnes. Vous êtes victime du diable. Pourquoi on a rejeté la personne? Parce que justement, elle ne ressemble pas à quelque chose d'attrayant. Elle n'est pas la personne belle qu'on aurait. Elle n'est pas la personne bien habillée comme on aurait souhaité. Elle n'a pas notre style. Dieu dit, quand le bras arrive, il n'a rien pour te plaire. Il n'a rien. Tu comprends? Rien pour te plaire. Pourtant, cependant, il transporte la solution à ton problème. Il y a beaucoup de vos prières qui ont été exaucées. Mais tu n'as pas reconnu le bras de Dieu. Pourquoi? À cause d'une autre semence. La semence qui nous apprend à mépriser les gens. Ça ne vient pas de Dieu. Oh, celui-là est papa comme nous. Ah, moi je ne marche seulement qu'avec les gens de mon ethnie, les gens de mon peuple. Ah, nous les Africains. Tout est une affaire de prochain. Ton prochain n'est pas forcément le gars de ta tribu qui est avec toi. Ton prochain, c'est le chauffeur de taxi qui est en train de te conduire. Pendant que toi tu es congolais, lui il est martiniquais. C'est un prochain. La courtoisie, la politesse, l'attention que tu vas manifester, le langage que tu vas détenir, détient certaines prophéties. Qu'est-ce qu'un chauffeur de taxi peut m'apporter, mon ami? Moi, j'ai des rendez-vous avec des directeurs. Mais se trouve que ce chauffeur-là, parce que tu as bien souri avec lui, en fait, il connaît le décideur, il a déjà conduit un tel. Ouais. Alléluia. Amen. C'est un aperçu de l'attaque du diable. Elle est terrible. L'attaque du dragon. Un aperçu de l'attaque du dragon. Le dragon, je vous l'ai dit tantôt, c'est lui qui vole. Qui vole les dons. Je ne le dis pas par hasard. Je le dis de Jérémie, chapitre 51, verset 34. Jérémie 51, 34. Lisons-le ensemble, 1, 2, 3. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a, il a fait de moi un vase. Tel un, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. On garde le texte un moment à l'écran.
au début, il est question de Nebuchadnezzar. Mais pour comprendre, la Bible le compare ici à un dragon. On n'a pas dit que Nebuchadnezzar est le dragon. Nebuchadnezzar a pillé Jérusalem et il est dit tel un dragon. Ça veut dire ce qu'il a fait, c'est le travail que le dragon fait. Tel un dragon, amen, tel un dragon, il a fait de moi un vase vide. Donc quand le dragon attaque, il vide. Il vide de quoi? Et il fait quoi? Il engloutit. Donc il vole, il engloutit et il remplit son ventre de ce que tu as de précieux. Des choses et des capacités que Dieu t'a données, des dons de Dieu. Et les dons de Dieu pour ta vie, tu les as même avant de naître. Tu sais ça? Il y a des talents que Dieu t'a donnés, des choses extraordinaires que Dieu t'a données. Or, la Bible dit, c'est le don d'un homme qui lui élargit les voies et qui lui donne accès auprès des grands. C'est le don. Alléluia. C'est parce que Dieu t'a donné une capacité de comprendre l'arithmétique, la comptabilité, que ça va s'ouvrir des portes. Tu comprends? C'est parce que Dieu t'a donné un talent dans le sport que ça va te faire des certaines faveurs. C'est parce que Dieu t'a donné un talent de chanter. Il a semé et autant donné, tu vas voir les compétences être clairement manifestées. Et en même temps qu'il sème, il sème en même temps les opportunités, les rencontres qui vont te conduire vers là. L'attaque du diable vient à te faire rejeter les rencontres. L'attaque du dragon vient essayer de faire disparaître le don. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Et donc Dieu sème un don. Il dit à Jérémie, je t'avais déjà établi prophète. Jérémie n'a pas prophétisé à 6 mois. Jérémie a commencé à prophétiser à l'âge adulte. Mais avant, il était déjà prophète. Le don lui avait été donné. Tu as ton don. Maintenant, le dragon, il vole ce que tu as de précieux. Il engloutit ce que tu as de précieux. Et ce que tu as de précieux, c'est beaucoup de choses. Les enfants, la santé, etc. Ta santé est précieuse. Ta santé est précieuse. Et le dragon va faire ses semences. Par exemple, dans le livre de Timothée, le grand Timothée, fils spirituel, n'arrivait pas à vivre Christ dans ses dons. L'apôtre Paul pouvait dire à son fils, il dit, Timothée, ranime le don que tu as reçu par imposition des mains. Et il dit ceci, car, donc le car vient expliquer pourquoi le don de Timothée est éteint. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force. Donc, Timothée était timide, mais Paul lui dit, la timidité ne vient pas de Dieu. Comment quelqu'un arrive à devenir timide? Pour différentes raisons. Quand des circonstances sont créées pour rendre une personne timide, c'est le dragon qui est en train de travailler. Pourquoi? Pour engloutir. Ici, il n'a pas enlevé, mais il a englouti le don de Timothée. Par quoi? La timidité. Alors, quand tu es enfant, voyant que tu es quelqu'un de brillant, tu as une intelligence hors du commun, tu es quelqu'un qui a un don de chant extraordinaire. Alors, très tôt, quand Dieu a semé le don est semé avant que tu ne naisses. Quand tu rentres dans le sein de maman, la semence du dragon peut avoir été faite avant dans tes propres parents. Par exemple, il a semé, quand je vais vous montrer le verset à la plus tard, que le dragon sème la maladie. En fait, pour engloutir les dons, il rend les gens malades. La maladie engloutit les capacités d'une personne. Donc comment ils engloutissent avec les maladies? Dans le dragon, vous avez la sorcellerie, les attaques de sorcellerie, vous avez toutes ces genres de choses. Ok? Donc il vient semer par exemple le diabète, l'hypertension dans le sang des parents. Donc il dit, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé, je t'avais établi. Donc au moment où tu es formé, ça veut dire tu existes avant de prendre une forme dans les entrailles de tes parents. Au moment de la forme, là où est constituée ta chair, là où est constitué ton sang, mais le sang que tu as est le sang combiné de tes parents, quelqu'un est-il avec moi, qui eux-mêmes peuvent avoir reçu une semence du dragon, en l'occurrence un diabète, une hypertension, la drépanocytose. La drépanocytose n'est pas vraie. Elle existe, mais elle est un mensonge. Dieu n'a jamais créé ça. Quelqu'un est-il avec moi? C'est la semence corruptible qui a corrompu les gènes. C'est pourquoi on dit, vous avez été régénéré par une semence vivante, par la parole vivante et incorruptible. Quelqu'un est-il avec moi? Donc, il sème et il arrive à corrompre les gènes. Quand il sème, alors tu nais avec ton don, tu nais, mais en même temps, il y a deux semences dans le champ. Il y a la semence de l'intelligence, il y a la semence de la maladie. Vous me suivez?
les deux croisent ensemble. Pour que tu puisses jouir de ton don, il faut arracher l'ivraie. Ou le dragon, pendant que Dieu a semé l'intelligence, une grande capacité dans l'administration, la déco et autres, il vient à côté et il sème la timidité. Il aime semer la peur. Et comment il sème cela? Quand tu es encore enfant, les gens se moquent de toi. On rit de toi, tu fais mal deux ou trois choses et les gens parlent. Oh, tu es ceci, tu es cela. Et au fur et à mesure, tu commences à être renfermé. Renfermé. Et tu vas éviter de faire les choses qui te mettent en avant. Et quand tu dis ça, parce que moi je n'aime pas, je rase les murs, c'est comme ça que je suis. Tu n'es pas comme ça. C'est la terre qui t'a rendu, c'est le dragon qui t'a rendu ainsi. Et ça, ça fait qu'on ne sait pas qui tu es. On ne voit pas ton talent. Pourquoi? Tu as peur de balbutier. Mais il n'y a rien que Dieu ne fait qui commence en beauté. Tout ce que Dieu fait commence en balbutiant. Le grand chanteur va mal chanter un jour et on va rire de son chant. Le grand prédicateur prêchera mal. La vie commence comme ça. Pour marcher, en fait, on rampe d'abord. Ok? Dieu commence tout petit. Mais Satan va, le diable, le dragon, le dragon va calmer. Mais c'est petit, tu ne sais même pas chanter, tu es trop nul. Ça, c'est l'accusation. C'est le diable. Par contre, le dragon, la timidité, la honte. Qu'est-ce que les gens vont dire? Et à cause de cela, au moment où le don, la vie de Christ, les choses dont se manifester, la peur vient te paralyser. C'est ce qui a arrêté l'apôtre Pierre. Jésus dit, rejoins-moi sur l'eau en marchant. Jésus a parlé, non? Est-ce que Pierre a atteint Jésus? Pourquoi? Pendant qu'il était en chemin. Quand le vent l'a touché, la Bible dit, il a eu peur. D'où vient la peur? Du dragon. Vous savez pourquoi on appelle le dragon? Parce que le dragon, sa première âme, c'est il est frais. Dans Luc chapitre 8, les semences d'épines, il dit ceci. Là, une semence est tombée dans un endroit où il y avait des épines. Elle a poussé, mais les épines sont montées avec elle et l'ont étouffée. Et la plante n'a pas porté du fruit qui soit arrivé à maturité. Des épines qui étouffent, ça c'est le dragon, engloutisseur. Donc, la plante a donné, vous voyez des chrétiens, mais qui vivent jamais Christ. Parce qu'ils ont été traumatisés. Le monde est traumatisé par le dragon. Les gens ont peur d'entreprendre. Tout le monde cherche à être employé. Les gens ont peur d'entreprendre. Vous savez qui vous a traumatisé? Le dragon. Comment on verra les usines et la solution que tu apportes si tu es toujours traumatisé parce que tu as échoué deux premières affaires? Moi, mon ami, moi, je suis un gars simple. Je ne suis pas contre le fait d'être fonctionnaire. Je crois que c'est juste un tremplin. De travailler, c'est juste un tremplin. Mais tout le monde doit produire des fruits en abondance. Amen. Il y a un temps pour être employé, pour servir. Il y a un temps où on déploie. Un bon mentor, il t'emploie, tu sais. Et à un moment donné, il t'aide à te déployer. Quand le dragon est passé par là, vous n'allez jamais vouloir vous déployer. Et sans déploiement, le fruit ne peut pas paraître. J'ai peur, je ne peux pas oser, je ne veux pas. Si tu n'oses pas, ça n'apparaîtra jamais. Viens voisin, j'arrache l'ivraie. J'arrache l'ivraie. Qui a déjà discerné quelques ivraies enlevées? Là, il faut arracher l'ivraie. Il faut arracher l'ivraie. Quand l'ivraie pousse avec le blé, l'ivraie atrophie. Le dragon, il vole. C'est de lui que Jésus parle en Jean 10. Il dit, l'ennemi vient pour voler, égorger, détruire. Et vous allez voir, quand j'ai traité, vous allez voir que le dragon, il vole par l'idolâtrie. Le pasteur va enseigner là-dessus, quand il était sur les autels, l'idolâtrie. C'est comme ça qu'il se polie. Pendant que les gens donnent leur esprit, c'est là qu'il prend. Parce qu'il y a égorger, il y a voler, il y a détruire. Il fait trois choses, Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, il y a dérobé, il y a égorgé, il y a détruit. Et ça, c'est le travail du dragon. C'est pourquoi on dit le grand dragon, le serpent, on commence par lui. Il vole tes dons. L'impudicité, le diable, le dragon et le serpent sont derrière. Tout ce qui est séduction, ils sèment, voilà, la séduction pour la débauche sexuelle. Ça lui permet d'atrophier les dons des gens. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ce qui est peur vient pas de Dieu. Alors, la première des choses, ça va être qu'on finit aujourd'hui.
ne t'identifie jamais à une semence, à une des quatre semences. Le dernier élément, c'est Satan. Satan, lui, qu'on appelle l'adversaire, il n'a pas de semence en tant que tel. Il t'amène à croire dans le mensonge. Et une fois que tu crois que le mensonge, un mensonge est réel, est vrai, le mensonge a un pouvoir. La Bible dit, à tous ceux qui ont reçu Jésus et qui croient en son nom, à tous ceux qui ont reçu la parole et qui croient, elle a donné le pouvoir. Donc d'où vient le pouvoir? Recevoir et croire. Recevoir et croire. Satan ment. Tu peux entendre l'information et ne pas prêter attention. Tu n'as pas reçu. Quand tu prêtes attention, ce n'est pas dit que tu as cru. Si tu crois, ça ne fonctionne plus. Par exemple, il vient te dire, les hommes sont méchants. Quand tu vas parler, ils vont se moquer de toi. Tu dis, ok, tu reçois l'information, tu commences à te méfier des autres. Deuxième chose, tu finis par croire qu'il ne faut, il faut te taire à tout moment, il ne faut jamais dire ce que tu as dit. Quand tu as fini par croire, tu finis, par exemple, dans le cas de la semence de la timidité, tu finis par te définir. Satan crée une logique. Tu finis par te définir. Tu dis, je suis timide. Tu finis par dire, je suis malade. J'ai le diabète. J'ai le cancer. Quand tu crois, alors Dieu même, la Bible dit, Jésus dit ceci, vous ne guérissez pas parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Vous êtes un peuple au cœur endurci. C'est ça le rôle de Satan. L'adversaire, il crée un mur de raisonnement contre la vérité. Il finit par te faire croire qu'un mensonge est vrai. Et a fini par te faire admettre que le monde fonctionne comme ça. Satan ne veut pas te donner simplement des idées. Il crée un système de pensée. C'est pourquoi en Jean 16, 23, il est dit de lui. Voilà comment Jésus décrit l'attaque de Satan. Jean 16, 23, on peut voir ça rapidement. Il dit ceci. Jésus a dit à Pierre. Non, il dit, bon, je crois que c'est plus loin. Arrière de moi, Satan. Trouve-moi le verset exact, pardon. Il dit, arrière de moi, Satan. Car tes pensées... Voilà, mais c'est le verset combien? 23, c'est ça? Oui, j'ai dit quoi? Matthieu 16, 23, ok. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi qui? Arrière de moi qui? Il dit, tu mets en scandale. Point virgule. Qu'est-ce qui explique que c'est Satan ici? Car tes pensées ne sont pas les pensées de, mais celles du, des. On aurait voulu qu'il dise, ce n'est pas les pensées de Dieu, c'est celles de Satan, non? Il dit, je vois Satan parce que Pierre, tu raisonnes comme un humain. Donc, qui est l'attaque de Satan? Satan crée le système de pensée des hommes. Ça veut dire les choses qu'on trouve logiques, quoi. Les choses qu'on trouve raisonnables. Tout le monde a fini par admettre que si on n'a pas d'argent, on ne peut pas faire. L'argent détermine nos capacités et nos incapacités. C'est un mensonge. Jésus, sans argent, a multiplié les pains. Quand vous croyez en ce mensonge, vous empêchez Jésus de faire un miracle dans votre vie. Il ne peut pas. Parce que tu ne crois pas qu'en dehors de l'argent, il puisse te faire voyager. Tu veux aller en vacances, tu veux te faire plaisir, tu ne crois pas. Tu dis, ah, mon compte en banque ne me permet pas. Il dit, mais je peux. Est-ce que tu as dit que je compte sur ton compte en banque? Non, non, non. Parce que sans argent, mais Seigneur, comment tu veux que je construise ce projet? Mais je vais le faire avec toi. Mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas l'argent dans mon compte. Tu es en train de dire à Dieu que, en dehors du chemin de l'argent, il n'a pas d'autres ressources de te faire ça. Pourquoi tu l'as dit ça? Parce que le monde a fini par nous faire croire que l'argent fait tout et sans argent on ne peut rien. C'est un mensonge. Et ça tue des ministères, des grands évangélistes qui doivent parcourir les nations, n'y vont jamais parce qu'ils n'ont pas l'argent. Des gens qui doivent bâtir des entreprises n'y vont jamais parce qu'ils ont fini par croire que l'argent dirige le monde et que sans argent on ne peut rien faire. Jésus a nourri la foule. Comment veux-tu voir des miracles de multiplication si tu crois que sans l'argent on ne peut rien faire? Tu as fini par croire, mais tu crois un mensonge. Tu crois un mensonge, le docteur t'a dit que ce mal est incurable. Qui t'a dit ça? Le docteur, pendant qu'il parlait, le dragon parlait. C'est un mensonge. Et comme tu ne crois pas qu'on puisse guérir, que veux-tu qu'on fasse? Quelle que soit la prière qu'on fera, ça ne passera pas. Parce qu'il y a une adversité en toi. Satan, il crée un mur. Il faut le terrasser. Satan, c'est lui qui vient conclure les trois attaques. Il amène à croire à ceux qui l'ont reçu et qui croient. La parole a donné le pouvoir. Le pouvoir d'un mensonge, c'est la croyance. Si tu crois un mensonge, le mensonge a du pouvoir.
Tant que tu n'as pas cru, il n'est pas puissant. Au commencement était la parole. Laisse-moi te dire, au commencement du mal était le mensonge. Et le mensonge était avec Satan. Et le mensonge était le diable. En lui était la mort. Et la mort était les ténèbres des hommes. Le mensonge est venu. Et à ceux qui l'ont reçu, le mensonge a donné un pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant du diable. Le mensonge. Et il y a quatre formes de mensonge. Paralyser tes œuvres, empêcher les miracles, atrophier le blé, la semence de Dieu. Tu dois arracher l'ivraie. Tu dois arracher l'ivraie. Pour vivre Christ, arracher d'abord l'ivraie. Alléluia. Alors ne t'identifie pas, on va se tenir debout. Quelqu'un vient de me dire, mais pasteur, comment je peux aller dire au docteur? Parce que Dieu dit que je suis guéri. Mais mon corps m'explique que il a une tumeur, il a un malaise. Alors, c'est très simple. Ne t'identifie pas à l'ivraie. L'ivraie ressemble au blé, mais l'ivraie n'est pas le blé. L'ivraie détruit le blé. Qu'est-ce que je dois faire? Quand tu sens un malaise dans ton corps, ne dis jamais « je suis malade ». Même si tu vas voir le docteur, dis au docteur « mon corps est malade ». Tu dis au docteur « mon corps a mal à la tête ». Tu comprends la différence? Jésus à la croix, à Gethsemane, pardon, il n'a pas dit « je suis triste ». Il dit « mon âme est triste ». Je vous ai expliqué souvent cela, ce qu'on appelle la dissociation. Tout ce que Dieu a fait est bon. Et ton esprit qui est régénéré, il est patient, il est doux, il est bon, il est miraculeux. Ça, c'est ce que tu es. Mais ce que ta chair et ton sang sont, ils viennent de tes parents. Donc à l'intérieur, il y a eu des semences. Quand Satan sème, il sème dans ton âme et dans ta chair. Le truc, c'est que tout te déplace. Arrache l'ivraie. Alors si tu vas voir le docteur, il dit docteur, qu'est-ce que tu as dit? Il dit docteur, ma tête a mal. Ta tête a mal. Donc tu as mal à la tête. Non, je n'ai pas mal à la tête. C'est ma tête qui a mal. Mais toi, tu as mal alors? Non. Il dit qu'est-ce que tu... Il dit qu'est-ce que vous avez? Mon sang a du diabète. Donc vous avez le diabète? Non, je n'ai pas le diabète. C'est mon sang qui a le diabète. Moi, je ne suis pas mon sang. Moi, je suis un esprit qui suis dans un corps. Je ne suis pas mon sang. Amen. Oui. Je ne suis pas contre le fait d'aller voir les médecins. Mais parler le langage de Jésus. Il ne dit pas je suis triste. Mon âme est triste. On dit, ne dis pas je suis timide. C'est identifier à une semence. C'est de croire à une semence. Et quand tu définis je suis timide, la parole de le blé de la force, le blé du courage a des problèmes. Parce que tu conserves l'ivraie de la timidité. Tu dois dire mon âme a de la timidité. Quand tu t'identifies, tu peux arracher. Quand tu te dissocies, pardon, tu peux arracher. Parce que ce n'est pas toi. Toi, tu es fort. Pourquoi? Parce que Christ est en toi. Christ, la vie a été semée, la santé. Tu es en bonne santé. Parce que c'est la vérité. À la croix, il a porté tes maladies. Elles sont déjà été crucifiées. Alors, ce qui ne peut rester est dans ton corps. Au nom de Jésus. Maintenant, mets la main sur le cœur et identifie tout ivraie. Pendant que la parole parlait, l'Esprit du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a mis la parole sur un ivraie en particulier. Dis au nom de Jésus, je t'arrache ivraie. Je t'arrache ivraie. Cite l'ivraie qui te concerne. Cite. Arrache cet ivraie. La peur, la honte, une maladie, un malaise quelconque. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. J'arrache, j'arrache, j'arrache. Au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, j'arrache l'ivraie. Ivraie, je te lis. Je te lis. Je te lis. Et je te jette dans le feu. Au nom de Jésus, et je jouis de la semence du fruit de Christ
en moi. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va les traiter plus tard. Mais vous avez le livre, l'ouvrage que vous pourrez prendre. Et puis, Dieu par sa grâce va nous permettre d'aborder, de toucher chaque point, chaque prière, chaque combat. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons, par la grâce de Dieu, avoir beaucoup de guérison, de délivrance. Quand on va arracher l'ivraie, ça délivre énormément. Beaucoup de délivrance, des malades, des guérisons extraordinaires. Et on va aborder chacune des attaques. Et par la grâce de Dieu, amen. Pour qu'au moins tu vois ton blé clairement, ce que Dieu a fait de toi et que tu puisses jouir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.